dire amen. Amen. Bienvenue dans le palais de gloire, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans sa présence, dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ qui est présent par son Esprit, dit amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement, mais nous allons continuer ce que nous avons dit la semaine dernière. Nous sommes toujours dans l'orientation prophétique de l'année que Dieu nous a donnée. D'ailleurs, il t'a dit quoi? Que 2019, c'est ton année d'accroissement et par le 2019, c'est la parole prophétique que nous avons reçue de la part de Dieu. C'est cette parole qui doit nous diriger comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ma seule direction pour cette année, quel que soit ce qui va se lever contre toi, contre l'Église, contre moi, ce n'est pas la qualité des vents qui se lèvent qui va déterminer ma conduite. C'est la parole de Dieu qui détermine ma conduite. Il a dit que pour toi, 2019, pas 2020, pas 2018, parce que 2018 est mort et enterré pour toujours et ça ne reviendra jamais. Mais il t'a dit par sa parole prophétique, dit amen, de Pierre 1, il t'a dit que tu dois être dirigé par la parole prophétique. Alors cette année 2019, c'est mon année d'accroissement et d'expansion par le Saint. Et quand tu le déclares, déclare-le tous les jours, déclare-le avec foi, déclare-le avec assurance. Si tu te réveilles le matin et que tu as vu cette nuit, il y a quelqu'un qui t'a parlé pour te dire que tu vas mourir cette année. Tu lui dis, pauvre diable, 2019, c'est l'année de mon accroissement et de mon expansion par le glorieux Saint-Esprit. Donc je ne peux pas mourir. Tu perds ton temps. Le 1er janvier 2020, je serai là pour te dire, tu as échoué, pauvre diable. Dis amen pour toi-même. Amen. Sois tranquille, tu ne mourras pas en 2019. Amen. Satan a multitude de projets contre ta vie. Ils ont échoué hier, ils échoueront encore, en particulier cette année. Année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Accroissement veut dire augmenter, multiplier, s'intensifier. Ah oui, dis-moi amen. Devenir plus important, devenir plus lourd, devenir plus consistant, devenir plus fort. C'est ce qui va t'arriver cette année. Pourquoi? Ce n'est pas le pasteur qui l'a dit. Moi, je ne suis rien. C'est Dieu qui l'a dit. Je suis comme toi, j'entends Dieu. La différence, c'est que je ne fais que dire ce que j'ai entendu. Mais moi, quand il a dit, j'ai cru. Et quelles que soient les circonstances qui viennent contre moi, j'ai dit ça, Dieu a déjà dit, Satan, tu vas entendre que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Tout ce qu'il attend de moi, c'est la foi. Je crois simplement. Dis amen. Alors nous avons vu que cette année, le Seigneur nous a dit, il y a un domaine dans lequel il va particulièrement s'accroître et nous faire croître, c'est dans le domaine de l'intensification de sa présence. En 2019, la présence de Dieu va être de plus en plus intense au milieu de nous. Dis avec moi la présence de Dieu. Je n'ai pas entendu. La présence de Dieu cette année va de plus en plus s'accroître, s'intensifier. Elle va devenir de plus en plus importante dans l'Église et donc en toi et en moi. Si c'est à toi que je parle, dis amen. Ne me dis pas non, mais moi je n'ai jamais senti la présence de Dieu hier. Mon ami, cette année tu vas la ressentir. Elle est déjà en toi, mais elle ne se manifeste pas toujours. Non, la présence de Dieu est en celui qui est né de nouveau, mais elle ne se manifeste pas. Autrement dit, elle n'est pas toujours palpable, ou tu ne la sens pas toujours. Cette année, tu vas la sentir. Et cette année aussi, tes ennemis, tes adversaires vont sentir que vraiment Dieu est avec toi et Dieu est en toi. Si c'est à toi que je parle, donne un bon amen. Pourquoi tu dis amen? Tu dis amen pour répondre à la parole de Dieu. Tu dis amen pour activer ce que Dieu dit à ton sujet. Même quand quelqu'un est déjà béni de Dieu, la Bible dit que si tu veux activer ce qui a déjà été fait, parle. Quand tu parles, tu actives ce qui existe déjà. Quand tu parles, tu emmènes à l'existence ce qui était déjà là, mais qui n'était pas encore manifesté. Dis amen.
Donc cette année, c'est ton année où la présence de Dieu dans ta famille, en toi, au travers de toi, va s'intensifier. La question, c'est quand la présence de Dieu devient de plus en plus manifeste, ça veut dire que Dieu a décidé de se rendre visible. Ça veut dire que Dieu a décidé de se révéler. Il est déjà là. Il est déjà là. Mais la manifestation de sa présence n'est pas toujours évidente, n'est pas toujours perceptible, n'est pas toujours visible aux yeux des hommes. Quelqu'un dit amen et je continue. Ce n'est pas le pasteur Yves qui a dit que Dieu veut intensifier. C'est lui qui a dit cette année, je vais intensifier ma présence au milieu de vous. Ça veut dire que je vais vous visiter avec beaucoup plus de force et de puissance. Or, ce n'est pas tout d'avoir une visite. Quand tu reçois un invité d'honneur, un invité de marque, un homme ou une femme distingué, la première chose, c'est qu'il visite, il vient dans une intention. Son intention, c'est de rester avec toi. Dis amen. Mais avant de rester avec toi, il te visite d'abord. Donc, je rentre d'abord devant le pas de ta maison. Je rentre à peine, je suis à la porte. Je t'ai déjà visité. Mais la question, ce n'est pas juste la visitation. Ce n'est pas juste jouir de la visitation. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va habiter? Est-ce qu'il va demeurer? Autrement dit, est-ce que sa présence va être manifeste régulièrement? Est-ce que sa présence va être palpable régulièrement? Ou ça sera juste une incursion? Ou encore, une visite et il part. Une visite et tu n'entends plus rien. Une visite et puis tu ne sens plus rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que dans l'église, et donc dans ta vie, dans la mienne, dans ta maison, dans tes affaires, est-ce que Dieu va rentrer? Il va se manifester seulement de temps en temps? Seulement une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, tu pourras dire, waouh, là j'ai senti, j'ai vu la présence de Dieu. Ou bien tu pourras dire, waouh, c'est tous les jours. Sa présence m'environne. Sa présence, je la sens tous les jours. Je suis trempé dans sa présence. Je baigne dans sa présence. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? C'est donc la question qui se pose, c'est comment nous devons faire pour accueillir la présence de Dieu qui veut s'intensifier au milieu de nous. Et l'accueillir veut dire comment faire pour l'accueillir dans le but de la faire rester. Que l'on sache, mon ami, pas seulement au mois de janvier, au mois de février, mais tous les mois de cette année, tu baignes dans la présence glorieuse de Dieu et tu la sens et tu la vois. Et même les gens autour de toi voient, mon ami, Dieu est vraiment avec toi. Si c'est à toi que je parle, dis un bon amen. Que devons-nous donc faire pour accueillir la présence de Dieu? La présence de Dieu, elle est manifestée aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Père qui est dans le ciel est présent en même temps sur la terre par le Saint-Esprit. Le Père qui est dans le ciel, qui a tout créé, est présent par son Esprit. Jésus le Christ qui est maintenant glorifié, qui est monté dans le ciel, à la droite du Père, il est établi. Le même Jésus-Christ, c'est le même qui est présent, mais par son Saint-Esprit. Donc quand on parle de la présence de Dieu, on parle de la présence du... Là où on voit le Saint-Esprit, on voit le Père et on voit Jésus le Christ. C'est comme toi, quand tu es assis là actuellement en train de m'écouter, c'est ton corps qui est assis, mais à l'intérieur de toi, il y a ton esprit et en même temps, il y a ton âme. Ton esprit n'est pas ailleurs, non, il est là où tu es. Quelqu'un me dit amen. Donc quand on accueille le Saint-Esprit, on accueille la présence de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus qui nous a donné son esprit. Grâce soit rendue à Dieu le Père qui nous a donné de son esprit. Alors comment devons-nous accueillir la présence de Dieu? Quelles sont ces choses que nous devons faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que quand l'Esprit de Dieu vient, il n'ait plus envie de partir, mais qu'il ait juste envie de demeurer? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il ne vienne pas juste nous visiter, opérer quelques miracles, quelques guérisons, et puis la prochaine fois, on ne sent plus rien, jusqu'à quelques mois plus tard? Qu'est-ce qui va faire que l'Esprit de Dieu va venir et il va prendre plaisir à habiter, à demeurer au milieu de ses enfants, comme un père habite avec tous ses enfants?
qu'est-ce qu'il va faire? C'est notre responsabilité. Dis avec moi, c'est ma responsabilité. Nous avons vu la semaine dernière, la première chose d'abord, c'est que nous devons nous repentir d'avoir tenu des réunions sans nous attendre à sa présence. Combien de fois on n'a pas fait des réunions sans nous attendre à lui? Or, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Autrement dit, ne va pas dans la présence du Très-Haut sans avoir soif, sans t'attendre à lui. Quelqu'un dit amen. Quand tu viens à l'église, on l'a dit la semaine dernière, quand tu viens à l'église, tu dois t'attendre à rencontrer Dieu. Tu dois t'attendre pas à écouter le pasteur, à écouter Dieu. Et Dieu va parler même soit par le pasteur, soit par un enfant de 12 ans. Au moment où tu es en train de sortir, Dieu va te parler. La semaine dernière, il y a une sœur, pendant qu'on était en jeûne et prière, il y a une sœur qui me dit, j'étais en train de descendre, j'étais en train de rentrer à la maison. Et puis il y a un jeune frère que je connais à peine qui est venu vers moi pour me dire, ma sœur, pardonne-moi, le Seigneur me dit de te dire. Et puis il lui a donné des paroles claires, précises. Il dit, hein? Il dit, Dieu est vraiment ici. Parce que quand la présence de Dieu est honorée, Dieu passe par n'importe qui. Oh, quelqu'un dit amen. Et ce n'importe qui, ça peut être toi-même. Il peut tellement te remplir qu'il peut commencer à te donner des paroles de manière claire pour la vie de quelqu'un. Ou même pour ta propre vie que tu ne connais même pas. Oh, dis amen. Chaque dimanche de 2019, ICC, nous devons venir en nous attendant à rencontrer Dieu. Et pour ça, notre attention, nos désirs, nos efforts, nos besoins doivent être tournés non pas vers les hommes, non pas vers qui que ce soit, mais seulement Dieu. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis amen. Le focus, la concentration sur laquelle tu te fixes, déterminera ce que tu recevras. Si tu mets ton attention sur Jésus le Christ, quel que soit ce qui va pas, ne cours pas dire, oh, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Non, tu dis, Père, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je refuse de mettre mon espoir dans les mains d'un homme. Je refuse. Je mets mon espoir dans tes mains et je m'attends à toi. Je dépends de toi. Je n'ai que toi. Si tu reçois ces paroles, donne amen pour toi-même. Oh. Amen. Tes besoins, ta confiance sur Dieu. Même quand tu me parles à moi, tu ne me parles pas à moi ou tu ne parles pas à ton frère dans le but qu'il t'aide. Tu parles à ton frère dans le but qu'on prie ensemble. Mais pas pour qu'il te tende la main. Celui qui te tend la main, c'est Dieu. Dis amen. Je sais. Nous sommes tellement habitués dans une société comme la nôtre à dépendre des gens. Et Dieu veut nous délivrer de cette folie, de la dépendance des hommes. Oh, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est mon pasteur, c'est mon grand frère, c'est mon DG, c'est mon ministre. On s'en moque. Il n'est pas ton Dieu. Il ne t'a pas sauvé. Il n'a pas lavé tes péchés. Il n'est pas mort pour toi. Il n'est pas ressuscité pour toi. Est-ce que quelqu'un dit amen à cette parole? Tu apprends à dépendre de Dieu. Moi, je vous dis, ça m'amuse quand je vois quelqu'un qui me dit, pasteur, je compte sur vous. Je dis, mais toi, tu es fou. Tu mets ta confiance dans un homme de Dieu, mais tu es fou. L'homme de Dieu met sa confiance en Dieu. Fais comme moi. Toi et moi, vers Jésus le Christ. Quelqu'un dit amen. La première chose pour vraiment accueillir la présence de Dieu, pour qu'elle demeure au milieu de nous. La gloire de Dieu, c'est la présence, la magnifique, la glorieuse présence de Dieu. Nous devons nous attendre à Dieu. Dis avec moi, je m'attends à Dieu. Répète avec moi, chaque jour de cette semaine, accorde-moi la grâce de m'attendre à te rencontrer. De m'attendre à te rencontrer, Jésus-Christ, par ton esprit. Je veux te voir. Je veux t'écouter. Il te sera fait selon ses paroles. Si tu as dit ces paroles de tout ton cœur, il te sera fait selon les paroles de ta bouche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accueillir la présence de Dieu afin qu'elle demeure et qu'elle soit manifeste au milieu de nous? Nous devons, le deuxième point, nous devons rechercher la présence de Dieu ou encore la gloire de Dieu au lieu de la puissance de Dieu. Nous devons apprendre à rechercher cette année la présence de Dieu ou encore la gloire de Dieu. Avec moi, la gloire
au lieu de la puissance. Quand on parle de la puissance de Dieu, on parle de la main de Dieu. Beaucoup vont à l'église chercher la main du Seigneur. La main de Dieu. On cherche la main du Seigneur et c'est une grosse erreur. Cette année, nous devons nous apprendre, nous devons nous attendre à rechercher la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa présence. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la face de Dieu. Dis avec moi la face de Dieu. Je n'ai pas entendu. La face de Dieu. Toutes les fois dans la Bible où tu vois c'est écrit la face de l'Éternel, on te parle de sa présence. Je suis là. Tu me cherchais. Or, dans l'église, nous avons beaucoup l'habitude de chercher la main du Seigneur. Quand on parle de la main du Seigneur, on parle de ce que Dieu peut te donner. On parle de ce que Dieu peut faire. On parle de ce que Dieu peut opérer. Oh, Yahweh a opéré des miracles. Oui, qui a opéré des miracles? C'est son bras. C'est sa main puissante. C'est par sa main que Dieu manifeste ces choses. C'est par sa main que Dieu manifeste la puissance. Mais nous ne devons pas d'abord chercher la puissance. Nous devons d'abord chercher la présence. Celui qui accorde la puissance, c'est Dieu. Mais c'est une personnalité. Il est l'Esprit de Dieu. C'est une personne. Il peut libérer sa puissance. Des fois même, on peut voir sa puissance à l'œuvre, mais on peut ne pas réjouir son cœur. Il y a des choses que Dieu fait par sa fidélité, mais nous, nous ne devons pas chercher la main du Seigneur, les actes seulement de Dieu. Non, elles sont importantes, mais nous voulons d'abord chercher le cœur de Dieu. Le cœur du Seigneur, le cœur, oh mon Dieu, le cœur, le cœur. Oh, quelqu'un me dit amen. Je vous l'ai dit, je vous le dis encore. La main de Dieu ne change pas le cœur d'un homme. Mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu, elle transforme le cœur d'un homme. Toi qui étais insensible, il te rend sensible. On peut avoir beaucoup de bénédictions, mais ne pas aimer Dieu. On peut avoir beaucoup de grâce, mais ne pas être attaché à Dieu. Oh, quelqu'un me dit amen. Or, c'est comme si tu m'épouses pour ce que j'ai. C'est comme si tu m'épouses pour mon argent. Tu m'épouses pour mon héritage. Tu m'épouses pour mes biens. Tu m'épouses pour mon visage. Tu m'épouses pour mes yeux. Tu m'épouses. Non, on épouse, frère, toi qui n'es pas encore marié. Parce que toi qui es déjà marié, c'est trop tard. Si tu n'es pas encore marié, on épouse un homme ou une femme pour son cœur. Tu as raté une bonne occasion de dire amen. Toutes les personnes, frère, tous les gens qui ont épousé une sœur pour sa beauté. Toutes les sœurs qui ont épousé un homme pour sa beauté, pour ses chocolats pectoraux, pour ses biches et ses muscles. Toutes ces sœurs-là. Ha! Il m'a trompé. Il m'a trompé. Toutes les femmes qui ont épousé un homme à cause de la force de l'homme, elles ont été déçues. Et c'est les mêmes qui commencent à pleurer pour dire, pasteur, il a une autre copine, une deuxième, une quatrième, une cinquième. Qui t'a dit de l'épouser? On épouse quelqu'un pour son cœur. On épouse quelqu'un pour son cœur. Le problème, c'est que le cœur ne se voit pas. Justement, il faut donc demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi son cœur. Dis amen. La main de Dieu, on a trop cherché à l'église, la main de Dieu. Et Dieu est bon, et il est tellement bon qu'il étend sa main, il donne sa main. Mais combien de fois, quand la main de Dieu a été étendue, quand les grâces ont été données, quand les bénédictions ont été données, ceux qui les ont reçues ont dit, Seigneur, c'est ce que je cherchais. Ciao, ciao. Mais ma soeur, je ne te vois plus à l'adoration, j'ai un rendez-vous de travail. Mais mon frère, je ne te vois plus à l'église. Non, j'avais un dîner d'affaires ou un déjeuner d'affaires. Tous les jours maintenant, c'est le boulot, le boulot, le boulot. Mon ami, tu es perdu. Tu as eu la grâce de Dieu, mais tu n'as pas eu l'essentiel. Il faut chercher le cœur. Il faut chercher le cœur. Il faut chercher le cœur de Dieu. Ce qui fait que Dieu vient et que Dieu habite et que Dieu va manifester sa présence sous la vie de certains d'entre nous. C'est la qualité de nos cœurs qui cherchent son cœur. C'est la qualité de nos cœurs qui veulent plaire à Dieu. Oh, si c'est à toi que je pardonne, amen. Oh. Et nous sommes au 21e siècle dans une société où tout fonctionne par la loi de l'intérêt.
par la loi de l'intérêt. Quand les gens ont un intérêt, alors ils vont vers quelqu'un. S'il n'y a pas d'intérêt, ils ne vont pas. Non, sois quelqu'un qui cherche pas la main de Dieu pour les intérêts de Dieu, pour ce qu'il peut te donner, mais cherche Dieu pour son cœur. Il est un père. Il est mon père. Jamais un enfant n'a cherché son père parce que son père pouvait le bénir. Un enfant cherche son père parce que c'est son père. Jésus est mon grand frère. Il est notre grand frère. Il est notre trésor. Il est notre époux. Il est notre amour. On ne le cherche pas pour la puissance qu'il peut donner. On le cherche parce qu'il est notre époux, notre amour, la passion de nos cœurs, le fondement de notre foi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Vraiment, comprends ces paroles. Au début, tu as rencontré Dieu suite à un miracle, suite à une guérison, suite à une douleur. Il y en a beaucoup, comme nous tous, on a rencontré Dieu par différentes circonstances, c'est vrai. Mais une fois qu'on est rentré dans le royaume, on doit chercher le roi. On ne cherche pas la main du roi, on cherche le roi. Quelle que soit la manière dont certains sont rentrés par la délivrance, ils ont été guéris. D'autres, ils ont été vides. D'autres, Dieu les a remplis. Quelle que soit la manière par laquelle tu rentres dans le royaume, ce qui est important, cherche le roi. Est-ce que Dieu parle à ton cœur ce matin? Est-ce que Dieu parle à ton cœur ce matin? Ne te fie pas aux miracles. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles quelque part. C'est Dieu qui fait les miracles. Mais que les hommes sont agréables à Dieu. Moïse a tapé sur le rocher. L'eau est sortie du rocher. Et le peuple a bu. Ah! Mais Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu m'as attristé. Tu as désobéi. Je t'avais dit, on ne frappe pas le rocher deux fois. On frappe le rocher une fois. Je t'avais dit, Moïse, pas le rocher, tu as frappé. Christ ne peut pas mourir deux fois. Parce que le rocher, c'était Christ. Moïse ne savait pas. Le peuple a eu de l'eau. Le peuple est content. Mais Dieu n'était pas content. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dans Jean 12, verset 37, il est écrit dans Jean 12, 37, malgré tant de miracles que Jésus avait fait en présence des gens, malgré tout cela, ils ne croyaient toujours pas en lui. On peut voir les miracles. Les miracles, les prodiges ne changent pas le cœur de l'homme. Ça peut te dire à croire, mais ça ne change pas ton cœur. Ce qui va changer ton cœur, ce qui va te rendre, ce qui va te faire ressembler à Dieu, ce qui va te faire aimer Dieu, ce qui va te faire craindre Dieu, c'est la présence glorieuse de Dieu. C'est celle-là qui te dit qu'il faut chercher. Dis-moi amen. Quand on dit je cherche ta face, ça veut dire je cherche ta présence. Voilà pourquoi dans le psaume, ce sont trois que nous connaissons bien. Le psalmiste David. David était un homme, n'oublie pas. Cet homme-là qui a écrit, il était connu pour être l'homme au cœur selon Dieu. Ça veut dire que quand Dieu voyait le cœur de David, Dieu disait, cet homme-là, c'est un jeune homme. Lui ne me cherche pas pour ma bénédiction. Il ne me cherche pas pour être élevé. Il ne me cherche pas pour être promu. Il me cherche pour ce que je suis. Je suis l'Éternel. Je suis Dieu. Est-ce que tu es conscient que Dieu est une personnalité? Il a un cœur. Il veut être aimé. Il veut être adoré. Il veut être apprécié. Il veut être obéi. Il a un cœur. Mais dis amen. Il a dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Ça veut dire, tu es mon tout. Tu es mon absolu. Tu es mon Dieu. Mon cœur te cherche. Il dit, je te cherche. Il dit quoi? Je te cherche. David avait l'habitude de chercher Dieu. Quand Dieu cherchait un roi pour gouverner tout le grand Israël, il a cherché un homme qui avait son cœur à lui. C'est-à-dire un homme qui cherchait pas la main de Dieu, pas la puissance ou les bénédictions de Dieu. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qu'il faut chercher en premier. On cherche d'abord la présence. Et dans la présence, la main de Dieu, on la reçoit. Les grâces, on les reçoit. Mais on cherche la présence. Église, on doit chercher Dieu. Il dit, je te cherche. Que cette année soit une année où tu intensifies ta recherche. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif, c'est-à-dire ma volonté, je te cherche. Mes pensées, je te cherche. Mes sentiments, je te cherche. Tout mon âme, je suis en train de chercher Dieu. Dis amen. Mon corps même soupire après toi.
Ça dit, mon corps est là. Oh Seigneur, où es-tu? Oh Éternel, mon âme soupire après toi. Oh mon esprit en moi te cherche. Ça veut dire quoi? Pas la bénédiction. Je cherche le cœur de Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux rencontrer le Dieu qui m'a aimé le premier. Je veux rencontrer le berger de mon âme. Je veux rencontrer le sauveur de ma vie. Je veux rencontrer ce Jésus qui a été flagellé, qui a été crucifié pour moi. C'est lui que je veux rencontrer. Montre-moi ta gloire. Manifeste-toi. Je veux toucher ton cœur. Pas les bénédictions. Je cherche Dieu. C'est-à-dire la face, la présence de Dieu. Mon âme soupire après toi. Si tu as ce genre d'attitude, non seulement il va te visiter, mais il va prendre plaisir à habiter en toi. Parce qu'il sait que tu n'es pas un calculateur. Il sait que tu n'es pas quelqu'un d'intéressé. Il sait que tu es quelqu'un de vrai. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Il dit, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. Ce n'est pas l'eau qui est mon problème. Mon problème, c'est Dieu. Ce n'est pas le travail qui est mon problème. Mon problème, c'est Dieu. Au verset 2, il dit ainsi, quand je te cherche, il est dans le sanctuaire, dans le lieu où je peux aller t'adorer, je viendrai et je te contemple. Je te contemple. Et quand je te contemple, je vais voir ta puissance. La puissance de Dieu, mais elle vient du cœur de Dieu. Mais si tu cherches la main, mais tu as tout gâté. Tu as raté les priorités. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Oh, je suis là-bas, dans cette église-là. On ne m'a pas donné. Mais parce que tu ne cherchais pas Dieu. Et Dieu sait que tu es un hypocrite. Mohibi, voleur, escroc. Tu veux seulement prendre la main de Dieu, mais tu ne cherches pas le cœur de Dieu. Non, change. Change. Cherche Dieu. Dans le psaume 27, au verset 8, David dit... Mon cœur dit de ta part. Ça veut dire que j'entends ta voix parler dans mon cœur. Qu'est-ce que Dieu dit au cœur de David? Dieu dit au cœur de David, David, cherche ma face. C'est-à-dire, cherche ma présence. Cherche ma face, ça veut dire, cherche ma présence. Quelle présence? Ma présence manifeste, ma présence visible. Et David répond à Dieu, je cherche ta face, ô Éternel. Ça veut dire quoi? Je cherche ta présence. C'est ton cœur que je veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire plaisir à Dieu? Si c'est ton cas, ça veut dire que tu as décidé de commencer à chercher la présence, la face de Dieu. Oh! Dans le psaume 105, verset 4, il est écrit, « Ayez recours à l'Éternel et à sa force ou encore à son appui. Cherchez continuellement, permanemment. Voulez-vous réussir dans la vie? » Cherchez permanemment la face de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Cherchez permanemment, ayez recours à l'Éternel et à sa force. Dans la version d'Arabie, il dit recherchez l'Éternel et sa force. Mais pour ça, il faut chercher continuellement sa face. Pas sa main, mais sa face, c'est-à-dire je suis là, sa présence. Dans sa présence, il y a abondance de joie. C'est de sa présence que sa puissance se manifeste. C'est dans sa présence que ses bénédictions se manifestent. Dieu cherche un peuple qui est après Dieu. Dieu cherche un peuple qui cherche Dieu. Dis Amen. Tu as entendu? Dieu cherche un peuple qui cherche Dieu. Il ne cherche pas les hommes, il cherche Dieu. Que Dieu t'accorde cette grâce de le chercher. Quand on lit la parole, on voit de l'histoire d'un roi qu'on appelle Asa. Pendant une époque de crise politique, de crise économique, de crise sécuritaire, de crise sociale, il y a un roi qu'on appelle Asa. Ils avaient été tellement dans la crise. Quand Asa est devenu roi, le peuple, le pays d'Israël était dans la galère. Crise politique, crise militaire, crise économique, crise sociale, crise financière, tout allait mal dans le pays. Alors dans 2 Chroniques chapitre 15, il est dit au verset 1, l'Esprit de Dieu a saisi un homme qu'on appelle Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant du roi. Il va voir le roi, il dit, écoute ô roi, le pays va mal. Écoute-toi Judas
et Benjamin, écoutez la parole de l'Éternel, parce que Dieu a parlé. Parce que le gars, ça, il cherchait, le roi cherchait, mais comment faire pour restaurer le pays? Comment faire pour sortir le pays de la crise économique, financière, politique, sociale? Comment faire? Le pays va mal. Et le roi dit, le prophète dit au roi, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Autrement dit, votre seule source de salut, vous pays, c'est Dieu. Et il dit au verset 3, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, c'est-à-dire pasteur ou enseignant qui enseigne la loi, ni même loi. C'est-à-dire Israël avait oublié la parole de l'Éternel. Israël avait oublié la parole de Dieu. On ne voyait que les prophètes, les sorciers, les magiciens, les augures qui racontent des bêtises à longueur de journée, qui envoûtent les gens, qui manipulent les gens. Mais les gens ne cherchaient plus la parole de Dieu. Oh, sans la parole, nous périrons. Mais avec la parole, nous réussirons. Parce que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois méditer la parole. Le succès se trouve dans la méditation de la parole. Israël avait oublié la parole. Israël a oublié Dieu. Ils avaient beaucoup d'idoles. La reine du ciel, les anges, les archanges, le Baal, Astarté. Ils faisaient des idoles. Il y avait des temples d'idoles partout. Le pays a oublié Dieu. Et le pays a connu la gaga, la galère. Et amen, et je continue. Donc tout allait mal. Mais, dis avec moi, mais, verset 4. Au sein de leur détresse, pendant leur souffrance, mon ami, quand tu souffres, il faut savoir réfléchir. Je n'ai pas entendu toi, amen. Des fois, tu souffres. La famille souffre. La ville souffre. Le pays souffre. On ne s'arrête même pas pour se poser des questions. Pourquoi on souffre? Eux, au sein de leur souffrance, ils ont réfléchi. Ils ont dit non, non, ça n'a pas toujours été comme ça. Repartons à l'Éternel. Repartons auprès de Dieu. Repartons auprès de Dieu, le Dieu d'Israël qu'on a abandonné. Parce qu'ils avaient compris que la réponse à toutes les crises, quelles que soient les crises, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire sa face, sa présence. Sa présence, sa face. Oh, dis amen. Ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont trouvé. Quand on cherche Dieu, frère, on le trouve toujours. Quand on cherche Dieu, on persévère, on le trouve toujours. Parce que des fois, Dieu te laisse chercher pendant quelques temps, tu dis, mais je cherche, ça ne marche pas, mon ami, cherche encore. Il veut savoir si tu vas aller jusqu'au bout, si tu es vraiment sincère dans ta démarche. Quelqu'un dit, amen, et je continue. Au verset 5, il te décrit l'état d'Israël à ce moment-là, il te dit, dans ce temps-là, il n'y avait point de sécurité, point de paix pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands problèmes parmi les habitants du pays, il y avait des troubles parmi les habitants du pays. On se battait peuple contre peuple, nation contre nation. On se disputait ethnie contre ethnie. Moi, je suis de telle ethnie. Moi, je suis de telle autre ethnie. Oh, nous, on est meilleurs. Vous êtes meilleurs. Ça, c'est quand on n'a pas trouvé Dieu. Quand il n'y a pas Dieu, là, quand on ne connaît pas Dieu, on se bat. Je suis de... Mon ethnie est supérieure à ton ethnie. Ma ville est supérieure à ta ville. Foutaise. C'est le langage des ignorants qui n'ont pas rencontré Dieu. Ils n'ont pas retrouvé Dieu. Mon ethnie est meilleure que la tienne. Aucune ethnie n'est meilleure que quiconque. Seul Dieu est tout. Quelqu'un dit amen. On se heurtait nation contre nation, ville contre ville. Est-ce que tu vois l'état dans lequel Israël était? Tout allait mal. Il dit pourquoi? Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Pourquoi ils étaient agités? Parce qu'ils avaient oublié Dieu. Alors le prophète dit, fortifiez-vous donc, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Autrement dit, quand vous avez commencé à chercher Dieu, continuez. Quand vous avez commencé à chercher Dieu, persévérez. Cherchez Dieu pour le Congo, cherchez Dieu pour Brazzaville, cherchez Dieu pour les âmes, cherchez Dieu pour les familles, cherchez Dieu devant la crise, cherchez Dieu. Mais c'est lui qui a les réponses, c'est lui qui a les réponses. Les réponses à toutes les crises là, c'est Dieu lui-même. Et quand c'est Dieu, ça veut dire Dieu envoie toujours des hommes. Oh, dis amen.
un seul homme qu'on appelle Joseph, envoyé par Dieu, et mon Dieu, craignant Dieu, a transformé tout un pays. Mais la réponse, c'était Dieu. Et Joseph savait qu'il était envoyé de Dieu. Quelqu'un dit amen. Il dit, il y a un salaire pour vos œuvres. Autrement dit, vous n'êtes pas en train de chercher Dieu en vain. Dis avec moi, je ne cherche pas Dieu pour rien. Ah non, dis ça. Dis, je ne cherche pas Dieu en vain. Oh. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont entendu la parole, Assa, le roi, et toute son élite, et tous ses cadres, et tous ses chefs, et tout le peuple, se sont fortifiés. Ils ont dit, les gars, allons chercher Dieu. C'est lui qui va restaurer le pays. C'est lui qui va transformer le pays. C'est lui qui va relever nos ruines. Il va nous faire du bien. Allons chercher Dieu. Et au verset 10, il est écrit, ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la 15e année du règne de Assa. Verset 12, celui qui m'importe, écoute ce qu'il est dit. Ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel. Tu entends ce qu'on a dit? Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. La version d'Abi dit encore mieux. La version d'Abi dit, ils entrèrent dans une alliance. Ils entrèrent dans une alliance pour rechercher l'Éternel. Pas la main de Dieu, mais la face de Dieu, mais la présence de Dieu, de laquelle émanent toutes choses. Ils ont dit, les amis, on va chercher Dieu comme jamais auparavant pour que Dieu guérisse la ville, Dieu guérisse le pays, Dieu fasse du bien à notre région, à notre sous-région. Tu devrais me dire déjà un bon amen. Ils entrèrent dans une alliance. Ils firent alliance. Ils disent, oh Dieu, par ta grâce, nous nous engageons par ta capacité à chercher ta face. C'est ce que tu vas faire ce matin. Pour toute cette année 2019, pour augmenter, intensifier la grâce et la puissance et la présence de Dieu dans ta vie, tu dois t'engager à chercher Dieu. Mais regarde ce qu'il dit à leur sujet. Ils entrèrent dans une alliance pour rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on met Dieu à la première place, au milieu, à la dernière place. Ce n'est pas seulement Dieu au début, mais c'est Dieu en toutes choses. On va seulement aimer Dieu, on va chercher Dieu. Et on le fait de tout notre cœur, de toute notre âme. Dis amen et je continue. Et même eux, ils ont été radicaux. Ils ont tellement été radicaux. Ils ont dit, quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Wow. Petit ou grand, homme ou femme, petit, si tu ne cherches pas Dieu, donc au bon maillot, il dit, je vais chercher Dieu. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais eux, ils étaient extrêmes. Pourquoi ils étaient aussi extrêmes? Parce que la situation était désespérée. Je rêve un jour, tout le Congo gagné à Jésus-Christ. Tout le Congo sauvé. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que de ne pas être sauvé. Et je sais ce que c'est que d'être sauvé. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Ça veut dire béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Ah. Je ne dis pas plus. Au verset 14, il est écrit, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix. Autrement dit, ils ont prêté serment à haute voix. Ils ont dit, oh Dieu, par ta grâce, nous nous engageons à te chercher. Ils l'ont fait avec des cris de joie au son des trompettes et des cors. Verset 15, ce jour-là, tout Juda, tout le pays, toute la ville se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Ils avaient cherché Dieu de tout leur cœur et ils avaient trouvé Dieu. Et Dieu s'était révélé à eux. Et l'Éternel leur accorda, leur donna du repos de tous côtés. C'est-à-dire, là où ils avaient perdu le repos financier, le shalom, c'est-à-dire la paix financière, la paix sociale, la paix économique, la paix politique, Dieu leur a donné ça de tous côtés. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à chercher le cœur de Dieu, la présence de Dieu. Et quand ils ont cherché la présence de Dieu, alors Dieu leur a accordé la paix dans tous les domaines. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? S'il vous plaît, Steve, venez ici. Je vais vous montrer, pour terminer, je vais vous montrer l'erreur que nous commettons tellement souvent. Il faut chercher Dieu. Celui qui est Dieu. Non, laisse la chaise, reste debout. Toi, tu es qui? Dieu. Tu mets devant toi ici, Dieu. Les uns, mettez-vous ici. Les autres, mettez-vous là. Certains se mettent là, d'autres coins là-bas, avec chacun, avec sa pancarte. Faites la place à celui qui est au milieu. Voilà.
Toi, tu te mets là. Alors, dans la vie, regarde devant. Faites le zoom, s'il vous plaît. Voilà ces hommes et ces femmes. Qui cherche Dieu ici? Qui cherche Dieu? Donnez-moi quelqu'un qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu? C'est toi qui cherches Dieu? Viens là. Tu es en train de chercher Dieu. Toi, tu es une chasseuse de Dieu. Elle cherche Dieu. Dites amen. Et quand elle cherche Dieu, reculez un peu. Cathy, recule. Et quand elle cherche Dieu, elle cherche Dieu. Dieu est la source de toutes choses. Et alors, quand elle cherche Dieu, on lui a dit que Dieu est là. Zoom, s'il te plaît. Dieu, apparemment, c'est lui, le centre de toutes choses. Quelqu'un dit amen. Mais subitement, la joie est en train de l'appeler. Elle ne cherche pas la joie, elle cherche Dieu, la source de toute joie. Mais toi, bouge, tu t'appelles la joie, mais dis, viens par ici. Il est en train de faire des gestes. Tout le monde fait des gestes. Appelez, elle ne sait pas quoi faire parce que la joie est en train de l'attirer. Ça, c'est la joie. Tu veux la joie? La joie, les boîtes de nuit. Bolingo, chéri, nanga, chouchou, nanga. Tu veux pas les boîtes de nuit? Elle cherche la joie. Dites avec moi, la joie. Elle veut la joie. La joie dit, viens, voilà la joie t'attire. Tu vas aller à la joie, mais en même temps, elle sent une force. Elle dit, non, ne cherche pas la joie. Cherche la source de la joie. Et alors, il ne sait pas quoi faire, mais au pire, il y a un autre qui s'appelle le plaisir du monde. Ouh, le plaisir du monde. Le monde avec les bagnoles, les voitures, les 10-10, les 4-4, les 5-5. Le plaisir du monde, le monde l'appelle. Alors, tu vas aller sur le monde. Elle dit, non, mais ce n'est pas ça que je cherche. Mais en même temps, je suis attiré par les envies du monde, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis embêté. Vas-tu aller dans le monde? Vas-tu aller chercher le monde? Parce qu'il y a la source de plaisir, c'est aussi Dieu. Il est la source de toutes choses. Quelqu'un dit amen. Alors, elle ne sait pas quoi faire. Elle entend Dieu, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle cherche la paix. Oh, la paix. Oh, la paix. Ça, pour avoir la paix, il y en a qui prennent le cannabis, il y en a qui prennent la drogue, il y en a qui prennent l'alcool, il y en a qui prennent les femmes dans le but d'avoir la paix. La paix vient des femmes. Plus j'ai beaucoup de femmes, plus j'ai la paix. Plus je me shoote, plus je me drogue, plus j'ai la paix. Après, je bois dans le but d'oublier mes problèmes. J'ai la paix, mais elle cherche la paix. Mais il ne faut pas chercher la paix, il faut chercher la source de la paix. Alors du coup, la paix, elle dit non, pas la paix. Ah, l'argent. Bongo. Ah, petit l'argent. Nazomon a clair, elle dit l'argent. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui cherchent l'argent. Il y en a qui cherchent l'argent. Ah, l'argent t'attire beaucoup, hein. Mais ça arrête. Parce que ça attire, hein. C'est comme un aimant, ça t'attire. Mais il y a vu des gens, on a vu des gens aussi qui ont beaucoup d'argent et des richesses et qui sont morts dans les. Et ils ont été tourmentés. Alors l'argent dit, viens. Tu as besoin de moi, petite. Je vais t'entretenir. Je vais te gérer. T'as compris, non? Je vais te gérer. Elle dit, non, pas l'argent. Il y a la source de l'argent qu'on appelle celui qui est le Dieu de l'or et l'argent. Non, je ne veux pas chercher l'argent. Et puis, quelqu'un lui a dit, mais tu veux aller loin de la vie? Oh, ma fille, il faut chercher l'élévation. Dis avec moi, l'élévation. Non, mets-toi là, on doit te regarder, tu t'appelles l'élévation. Toi au Congo, tout le monde te cherche, petit. Tout le monde cherche l'élévation. Promotion, chef de service, chef de bureau, chef commercial, directrice générale, tout. Ministre, oh ministre, surtout ministre. Député, oh là là, député. Sénateur, oh miséricorde. Veux-tu l'élévation? Mais si tu vois là, ce n'est pas sûr que tu trouves l'épanouissement parce que ça, ce n'est qu'une conséquence. Mais il y a la source de l'élévation, il y a la source de la promotion, il y a la source. Elle dit non. Ça a l'air beau, mais non, je préfère revenir à la source. Celui que mon cœur cherche, c'est Dieu. Oh, dis amen, c'est Dieu. Élève dans sa présence, il y a abondance de joie. Dans sa présence, il y a abondance de paix. Dis amen. Elle cherche Dieu. Elle a dit à Dieu. Et quand elle vient, elle se prosterne devant Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta, c'est-à-dire ta présence glorieuse. Seigneur, fais-moi voir. Il cherche. Ça veut dire, tu entends dire, je veux pas ta main, je veux ta présence. Seigneur, fais-moi voir. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu as entendu l'image? Il faut chercher Dieu. Il faut chercher. Dis-lui, Seigneur, fais-moi voir. Moi, je ne veux pas voir la bénédiction. Je ne veux pas voir le plaisir. Je ne veux pas voir la joie.
Je ne veux pas voir la paix. Je veux la source. C'est Dieu. Je ne cherche pas l'élévation. Je cherche Dieu. Pas l'argent, c'est bien. Mais je cherche Dieu. Oh, je cherche Dieu. Fais-moi, Seigneur, je veux te voir. Seigneur. Seigneur, je veux voir en 2019. Oh, y a-t-il quelqu'un pour soupirer? Seigneur, fais-moi, fais-moi. Allez vous asseoir, merci. Seigneur, fais-moi voir. Abba Père, je veux voir Dieu. Je ne cherche pas les choses. Ta gloire, ta gloire, Seigneur, c'est toi qu'il me faut rencontrer. Seigneur, fais-moi voir. Je ne veux pas être trempé. Je t'en supplie. Ta gloire, ta gloire, je veux voir. Jésus le Christ, je veux te rencontrer. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire. Encore ta gloire, ta présence, ta gloire. Soif de toi, mon âme a soif de Jésus. Je veux voir Jésus, pas la main de Dieu, mais je cherche le cœur de Jésus. Je cherche le cœur, je veux voir ta gloire. Soupir, il a dit mon âme soupire. Prends quelques instants, il veut t'entendre, il veut t'écouter, il veut que tu le lui dises. D'abord la main ou la puissance de Jésus. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux. Et que rien ne t'est impossible. Il a dit à Marie, rien n'était possible à Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible. Cherche Dieu. Cherche Dieu, je reconnais. Rien ne lui est impossible. Il a dit tout est possible à Dieu. Et rien ne lui est impossible. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche le cœur de Dieu. Je reconnais. Je reconnais. Oh Père, je reconnais. Est-ce que tu le reconnais ce matin? Il a dit rien. Arrête de te promener. Arrête de t'inquiéter. Voilà pourquoi je veux crier. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta présence, c'est ce que je cherche. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur. Pas le mari. Le cœur. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Ta gloire. Abba Père. Seigneur, fais-moi, Seigneur, 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 fais-moi. Irababo sekama, apareko sitaka, erebabo sata. Seigneur, fais-moi ta gloire. Si tu fais partie des personnes pour lesquelles cette parole est sortie et que aujourd'hui, en ce mois de janvier 2019, tu veux dire à Dieu
pas par obligation. On ne te force pas. Le roi Asa et tout Israël, ils ont cherché Dieu de leur plein gré. Ils ont dit à Dieu, « Oh Dieu, accorde-nous la grâce de te chercher. » Pas l'élévation, pas l'argent, pas les richesses, pas les bénédictions, pas les maris, les enfants, les femmes. Père, accorde-nous la grâce de chercher la source, c'est-à-dire Dieu. Si tu veux faire cette alliance, prendre cet engagement devant Dieu, la parole sort, la grâce de Dieu est disponible pour toi ce matin. Lève la main et demande à Dieu la grâce de le chercher comme jamais tu ne l'as cherché. Demande à Dieu ce matin, sa grâce est disponible. Jésus est présent par le Saint-Esprit et c'est lui qui te rend capable. Hier, tu as cherché les maris, les enfants, les hommes. Tu as cherché les miracles, les guérisons. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la première chose à faire. Il faut chercher Dieu. Et quand on trouve Dieu, on trouve les maris, on trouve les enfants, on trouve l'élévation, on trouve la distinction. Quand on a rencontré Dieu et qu'on apprend à honorer Dieu et qu'on apprend à faire plaisir à Jésus, on trouve la gloire, la renommée, la réputation. Il faut chercher Dieu. Ton besoin, c'est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un parent. C'est Dieu, Église. Il faut chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Alors là où tu es, tu vas lever la main droite ou les deux mains si tu veux. Quel que soit que tu sois assis, debout ou prosterné, peu importe, élève ta voix. Demande-lui la grâce ce matin de le chercher comme jamais auparavant et de le trouver, de le chercher jusqu'à ce que tu trouves Dieu. Il va intensifier sa présence. Il veut intensifier sa présence. Il veut intensifier sa présence. Mais pour cela, il faut chercher Dieu. Quand tu vas chercher Dieu, il va intensifier sa présence. Sa gloire, sa puissance sera main. Tu vas rencontrer la puissance parce que tu vas chercher la présence. Cherche la présence, tu rencontreras la puissance. Cherche la présence, tu verras les miracles. Cherche la présence, tu verras les richesses. Il faut chercher Dieu. Ne te trompe pas. Cherche Dieu. Demande-lui. Dis Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce de chercher Dieu. Je veux Dieu. Je veux Jésus. Le cœur de Dieu. Je veux connaître Dieu. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de faire entendre ta voix? Le Père veut t'entendre. Rappelle-toi, il est écrit. Ils ont pris l'engagement à haute voix. Ils jurèrent, ils prêtèrent serment à haute voix. Ils ont dit, nous on s'engage à haute voix. On veut chercher Dieu à haute voix. On veut voir Dieu, la gloire de Dieu, la présence manifeste de Dieu par le glorieux Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de demander? C'est le temps de demander. Ne te tais pas. Demande Jésus, pas la main de Jésus, mais la personne de Jésus, la présence de Jésus, la présence de Jésus, la présence de Jésus. Je veux voir Jésus, celui qui m'a aimé le premier, celui qui est mort pour moi. Je veux rencontrer Jésus, je veux rencontrer le Père. Il est présent par le Saint-Esprit. Seigneur, Robobo Shakataraba. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Il faut prier et ne pas te relâcher. Il faut prier et ne pas arrêter. Il faut persévérer. Il faut demander à Dieu. C'est une question importante. La Bible dit, il ordonna la paix. Shalom, la paix de tous côtés. Veux-tu la paix de tous côtés? Cherche Dieu de ton plein gré, de tout ton cœur. Cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu. Oh, rota kebasi, arabatota, e rababo si atanelebosa. Oh, 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 oh. Ikata rababa, est-ce que tu es en train de soupirer? Il a dit, mon âme soupire après Dieu. Oh, oh, mon âme soupire.
Est-ce que ton âme est en train de soupirer? Je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a ici qui ne sont pas intéressés. Mais je parle à ceux qui veulent prendre une alliance, à ceux qui cherchent Dieu, à ceux qui veulent la paix, le shalom. Ils veulent la prospérité dans tous les domaines. La prospérité, elle vient de Dieu. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu parles à Dieu. La Bible dit, ils prêtèrent serment. C'est une question personnelle. C'est une question personnelle. C'est un engagement individuel. C'est un engagement individuel. Et en même temps, un engagement collectif. Abba Père. Toraba reto tariaba sandoraba. Irebabo si kataba. Rematele brokosha. Irebaba se katareaba. Lora baba le brando kesaka. Oriaba rekoskia. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, Père, et kato rabandesi abarabosi kabarabandase, oh rababareba, ta présence, sante le broko chakanta rebante, ma vie, l'obras kato ramanderebosi abarababa kabasete karabarabandokos. Ta présence se comble ma vie. Libro sakate la raban, sakata lo raban de rebo sikataban. Ta présence, c'est tout ce que je cherche, se comble ma vie. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu veux vraiment sa présence et carabanerebos? Ta présence se comble ma vie. Ramasse carababa, nous désirons ta présence, ta présence, ta présence. Abba Père, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, les brochata rebasietam, ta présence, se comble. Tout ce dont tu as besoin, c'est sa présence. Y a-t-il quelqu'un pour dire à Dieu, ta présence se comble. Et Kamareba Soto, ma vie. Oh, je veux te dire encore plus haut, c'est un engagement avec Dieu, ta présence se comble ma vie. Je veux le dire encore avec une voix encore plus haute, plus haut, plus haut, plus haut. Ta présence se comble à haute voix ma vie. Il y a quelqu'un qui est désespéré après la présence de Dieu. Encore plus haut. De Nazareth, le Christ, encore plus haut, plus haut. Ta présence se comble ma vie. Y a-t-il une âme désespérée comme David qui veut dire encore plus haut? Ta présence, se comble ma vie. Je veux te
ce comble. Je veux venir. Est-ce que tu es désespéré? Il faut que tu lui dises encore, encore. Oh, 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 Jésus, ta présence une dernière fois. C'est toi que je veux dans ma famille. C'est toi que nous voulons au Congo. C'est toi que nous voulons dans l'Afrique centrale. C'est toi que nous voulons dans nos villes et dans nos villages. Ta présence comble. Je veux te dire, oh Jésus, oh Jésus, ta présence comble ma vie. Si tu es intéressé, tu vas répéter avec moi cette simple prière. Elle doit venir du fond de ton cœur et de ton plein gré. Dieu est là. Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il connaît les cœurs de chaque homme. Il n'y a rien qui soit caché devant sa face. Il connaît, il voit. Ne cherche pas la promotion, cherche Dieu. Ne cherche pas l'argent, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas quelqu'un pour t'entretenir, cherche Dieu. Cherche Jésus. Personne n'a été crucifié à ta place. C'est Jésus qui a été sacrifié pour toi. C'est le Père qui t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour toi. C'est le Fils qui t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. C'est le Saint-Esprit qui t'a tellement aimé qu'il est venu habiter en toi alors que tu n'étais même pas encore parfait. Il sait que sans lui, tu ne peux rien faire. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche sa face. Cherche sa présence. Oh, il a élevé David. Il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Je cherche des justes à élever au Congo. Tout le monde veut l'élevation, mais peu me cherche pour moi, pour ce que je suis. Je suis Dieu, je suis Jésus le Christ. Cherchez-moi pour ce que je suis. Mon amour, mes compassions, ma miséricorde, ma bonté, ma fidélité. Cherchez-moi pour ce que je suis. Ne me cherchez pas pour des miracles. Les miracles vont venir. Mais cherchez-moi, je suis Jésus le Christ. Korase kakataka. Oh Rabassa, donne-nous des cœurs tout entiers pour toi. Jésus, Jésus. Oh Rababasi akabarando bosha. Donne-nous les cœurs pour toi. Vivre pour Jésus. Dans les injures, dans la persécution, dans les attaques, dans toutes sortes de choses. Mais je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre pour Jésus de Nazareth qui m'a aimé, qui est mort pour moi. Bravo Shakata. Bravo Satarabayanda Bayala Barea. Je veux vivre pour Jésus. Prea la Brao Shitaranda Basaye Rabba. Mandele Bro Sakata Rababa. Jésus Iraba Rababa Sekete la Baraba. Oh Rebaba, Sandele, Rebobo, Shekarababa, Jésus, Brao, Rimante, Rebaba, Rebase, Reba, Daba, Baba. Oh Jésus, Rima, Kayabare, Togosa, Pare, Boshi, Andabara, Yaba, Sebare, Into, Karaba, Kepare, Abare, Totia, Oh Rabasa. Jésus, prétoquissa. Ah Seigneur, donne-nous des cœurs qui te cherchent, des cœurs qui cherchent toi d'abord.
Oh Rabasata, accorde-nous d'être une race, une génération d'hommes et de femmes qui cherchent Dieu. Oh Ribakasa, qui cherche à plaire à Dieu, à honorer Dieu, à faire plaisir à Dieu, à aimer Dieu, à glorifier le Christ Jésus sur la terre des vivants. Donne-nous cette grâce. Ce n'est que possible si tu nous accordes cette grâce. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni nos bonnes intentions, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Seigneur, c'est par l'esprit. Voilà pourquoi nous venons humblement te demander cette grâce sur la famille que nous sommes. Rotari bari avakos yanderebos. Oh Rabasha. On va répéter avec moi cette simple prière. Père, dans le nom de Jésus, le Christ, accorde-moi de tout mon cœur, je te le demande, la grâce, la capacité de chercher Dieu, de plaire à Dieu, de glorifier Jésus le Christ, de vivre pour Jésus-Christ de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Accorde-moi en ce début d'année la grâce de chercher uniquement Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je te le demande et je m'engage par ta grâce, avec l'aide du Saint-Esprit, à te chercher comme jamais auparavant et à te trouver. Dans le nom de Jésus, le Christ, Père, j'ai fait cette prière et je te rends grâce de ce que tu entends et tu réponds en m'accordant ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un dit amen. Mettons-nous debout, apprécions Dieu. Pouvons-nous prendre le temps de célébrer Dieu, de l'apprécier Dieu? Il est digne de nos louanges. Il restaure ton cœur ce matin. Il t'accorde une grâce nouvelle ce matin. La grâce de chercher l'essentiel. La grâce de chercher l'essentiel, de poursuivre l'essentiel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus, tu as parlé au cœur de quelqu'un ce matin, et ce quelqu'un, cette personne, en quelque lieu qu'il soit, veut te dire merci, veut t'adresser des actions de grâce. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous sommes reconnaissants. Reçois l'honneur, la louange et la gloire pour tes actes et aux faits. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit amen.